funky. Bien, en tout cas moi ça va super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo je vais vous faire un haul Shein. Donc j'ai deux gros colis là, ils sont énormes, je vous dis clairement c'est énorme. Du coup je vais vous montrer mon outfit du jour comme dans chaque vidéo, enfin je pense que maintenant je vais faire ça. Dites moi si vous aimez. Du coup le haut il vient de chez Jennifer, c'est un t-shirt noir simple comme ça. Mon jean c'est un cargo de chez Stradivarius et mes chaussures c'est des Air Force, je sais pas si vous voyez, avec les chaussettes roses, bref, du coup voilà. Donc là, on va ouvrir les deux colis. Alors, ils sont énormes et je sais pas par lequel commencer, mais on va essayer. Attendez, je vais faire une petite pause pour la miniature, comme ça. Voilà, j'espère que là ça va. Ok, je pense que je vais commencer par celui-là, je sais absolument pas lequel est lequel, mais on va commencer par lui. C'est facile à ouvrir Shein. C'est pour ça que j'aime beaucoup. Et du coup. Ouais, j'aime trop. Oh là là. Je suis trop contente. Franchement, il y a un petit peu beaucoup d'articles. Enfin, en vrai, là, il n'y en a que 3. Mais je pense que dans l'autre, il y en a beaucoup. Donc, on va voir. Déjà, je vais ouvrir ça. Donc, on commence avec le premier article. C'est quoi? Shein. Évolue Shein. Ah oui, c'est un truc en matière recyclée, je crois. Je sais pas. Mais en tout cas, j'ai pris parce que ben, j'aimais bien. En vrai, bon, le marron, je vous avoue que c'est pas du tout ce à quoi je m'attendais, mais il est fort sympathique, franchement. Non, en vrai, de vrai, il est vraiment super beau. Et en fait, il fait cet effet un petit peu froncé, je sais pas comment on dit. Mais en fait, il n'y a pas de lacets, c'est juste qu'il est comme ça et je trouve que ça fait stylé. Mais c'est pas du tout le même marron que mon cargo, genre, c'est pas pareil du tout. Mais j'aime bien. Donc voilà, je vous mettrai le lien en barre d'infos si jamais vous voulez. Je vais essayer de mettre tous les liens en barre d'infos. Je vais mettre du temps, mais j'espère que vous allez aimer et que vous allez vouloir acheter des trucs de là. En tout cas, ça pour l'automne, c'est parfait. Mettre avec un petit jean noir ou quoi, ouais. Franchement, j'aime bien. Premier article, je mets 8 sur 10. Ensuite, le deuxième article. Alors, on va voir. Ça, c'est une de mes plus grandes appréhensions. Je ne sais pas du tout si je vais aimer, si je ne vais pas aimer. C'est une chemise comme ça. Et c'est dans la gamme Shein Petite. Alors, c'est une chemise. En vrai, la taille, elle est super bien. La qualité, elle est incroyable. Je suis choquée. En fait, je sais pas comment vous montrer, mais j'essaierai de faire des try-on. Comme ça, je vous les mettrai juste ici. Mais c'est une chemise comme ça. Et je suis sûre qu'avec un jean noir, un petit top blanc, ça peut faire un style de fou. Faut juste que je le porte. Comme ça, vous verrez mieux, je pense. Parce que... Et ouvert, bien sûr. Parce que là, elle est fermée, mais je pense que vous voyez pas. Mais ouverte, comme ça, avec... Pépite, vous allez voir, je vais faire des outfits trop bien pour la rentrée. Vous allez être choqués. Parce qu'en vrai, il y a grave moyen de faire quelque chose. Ok, du coup, ça, je mets un 9 sur 10 parce que j'aime bien la matière. Elle est incroyable, c'est vraiment tout doux. Donc voilà. Ensuite, on enchaîne avec le troisième et dernier article de ce colis. Parce qu'après, il y a l'autre. Donc, c'est la veste jaune. En fait, j'ai cru que c'était beige et c'est jaune. Oh, je suis dégoûtée. En fait, vous voyez, il y a des matières sur Shein. Il y a du coton et il y a cette matière. Et cette matière, j'aime pas. Et là, je suis déçue parce qu'en fait, c'est pour ça, mes pulls, je les prends plus sur Shein parce que j'aimais pas la matière. En fait, ça, c'est exactement pareil. Et du coup, je suis dégoûtée. Même si elle est trop belle, on va pas se mentir, elle est incroyable. Mais la matière, ça fait trop fake. Enfin, je sais pas comment dire, mais c'est. Genre, en fait, c'est les matières qui s'effilochent. Et j'ai payé ça quand même assez cher. Donc. Je sais pas quoi en faire. Je pense que je vais garder parce que quand même c'est stylé et que je l'aime bien et qu'elle taille bien. Mais rien que pour la matière, je vais mettre un 6 sur 10. Je suis obligée parce que regardez. Enfin, je sais pas si vous connaissez cette matière, mais c'est la matière qui s'effiloche. C'est-à-dire passer les clés dessus ou des ongles, ça s'effiloche direct. Je suis dégoûtée. Bon, moi, je pensais qu'il allait y avoir que des pépites pour l'instant. Voilà quoi. Bon bref, on va continuer avec le deuxième colis. Bon du coup c'est parti pour la deuxième partie. Ça rime, c'est super. Du coup là je fais plus des trucs d'été parce que pour la rentrée j'ai rien. Donc du coup on va ouvrir tout ça. Je m'attendais pas à ça, il y a trop de trucs là. Bon, on va commencer avec le premier article. Donc c'est un top bleu. Vous allez voir, il est trop beau. Lui je sais que en fait j'ai déjà en blanc. J'aime trop la matière, la coupe. Donc du coup, il est comme ça, il est bleu. Et j'aime trop la matière parce qu'en fait, il est pas trop long. Du coup, il est assez serré. Et je trouve que ça fait trop stylé pour mettre par exemple avec un cargo noir ou même un jean bleu.
trouve que ça fait beau. Du coup, voilà, j'essaierai de vous mettre les try-on juste ici si j'ai fait les try-on. Mais franchement, j'aime trop. Il est trop trop beau. Du coup, lui, je lui mets un 7 sur 10. 7 sur 10, je pense que c'est bien. Le deuxième, c'est un t-shirt beige. Je crois que c'est le même, la même coupe. C'est juste qu'il est beige. Ouais, c'est ça. Parce que eux, en fait, je les avais trop aimés. Enfin, j'ai pris en blanc, j'ai trop aimé. Du coup, j'ai pris beige aussi. Et vous voyez bien quand même, il y a une différence entre ce beige et ce beige. Je veux dire, ça, c'est du jaune. Ça, c'est du beige. On est d'accord. Bref. Sinon, j'aime trop. Enfin, la coupe et tout, j'ai rien à dire. Du coup, comme l'autre, je vais mettre un 7. Ensuite, ce t-shirt. Alors, lui, j'en attends beaucoup de lui. J'ai pris une taille M parce qu'il disait que sa taille petit. J'espère que je me suis pas trompée. On va voir. Écoutez, de base, ma taille, c'est du XS. Hein, mais voilà. Je voulais que ça fasse oversize. En vrai, j'ai bien fait de prendre M parce que, dites-vous, vraiment, il taille petit. Je pense que M, ça serait bien, ça fera un peu plus oversize. Donc, en vrai, j'ai bien fait de prendre M et je suis choquée. Mais j'ai vraiment bien fait. Donc, pour lui, en vrai, les motifs, ils sont bien. La texture, enfin, la matière, elle est bien. On va dire 8 sur 10. Ensuite, prochain article. Ça, c'est mon article préféré. Mais c'est déjà le dernier article. Ah non. C'est pas le dernier, mais c'est un de mes préférés en tout cas. Alors, voilà, c'est sûr. Du coup, c'est en lot comme ça. Alors, la matière, elle est bien. Franchement, la matière, elle est bien. Et la taille, au niveau de la taille, je pense que ça va bien. Donc, c'est un petit top comme ça. J'essaierai de vous mettre les try-on juste ici si j'ai essayé. Mais je pense pas que j'aurais tout essayé. Enfin, je sais pas. Ça dépend pourquoi je ferai sortir la vidéo. En tout cas, petit débardeur comme ça. Donc, blanc. Bon, blanc, on sait tous que c'est transparent. Voilà, mais franchement ça va, enfin on met quelque chose en dessous et ça se verra pas. Ensuite, lui, alors il est marron comme ça, marron top. Et en vrai, je trouve la couleur incroyable. J'ai pris en taille S pour pas que ça soit trop grand et je pense que j'ai bien fait parce que pour pas que ça soit trop petit, pardon. Parce qu'en fait, je voulais pas que ça soit serré. Et là, c'est ça, à mon avis, ça va pas être serré. Du coup, dans le lot, il y en avait un troisième comme ça, noir, basique, ça va avec tout. Franchement, c'est vraiment mon achat préféré. Enfin, les trois là, les trois, j'aime trop parce que c'est la qualité est trop bien, la matière trop bien, tout trop bien. Franchement, j'aime trop. Et le prix trop bien, c'était à 15 euros les trois, donc 5 euros l'un. Du coup, pour eux, je vais mettre un 10 sur 10. Franchement, j'aime trop, trop, trop. Il me reste deux autres articles, mais du coup, ça sera des accessoires. Donc, d'abord, il y a un collier comme ça. Bon, on va l'ouvrir parce que il veut pas se montrer. Donc, on a un collier comme ça. En vrai, j'espère qu'il ne sera pas trop près du cou parce que j'aime pas les rats de cou. Mais regardez, je pense qu'il s'ajuste là. Donc voilà. En tout cas, il est plutôt pas mal. Il y a des petites éclairs. Je sais pas si vous allez voir. Franchement, il est plutôt pas mal. Je l'aime beaucoup même. Il est très très mims. Et en même temps, ça fait un petit peu style streetwear. Enfin, avec les éclairs et la chaîne. En tout cas, j'aime beaucoup. Et du coup, le dernier article, alors, c'est quoi ça? Ah oui, un porte-monnaie. Je me suis pris un porte-monnaie pour changer, voilà, je me suis dit, pourquoi pas, parce que dans mon lycée, il y aura très certainement des distributeurs à boissons. Du coup, je me suis dit, ben, on va changer, voilà, de porte-monnaie. En vrai, il est simple, beau, basique, il est blanc. Je sais pas si vous voyez, il y a des petits détails. Et la matière, j'aime bien. Et j'aime bien le fait que ce soit argenté et pas doré, parce que mon ancien porte-monnaie, il était doré. Et du coup, à l'intérieur, c'est super spacieux. Franchement, c'est spacieux. On peut mettre les pièces là, des cartes là et les billets. Franchement, c'est exactement la même disposition que mon autre porte-monnaie. Et ça ne me dérange pas du tout parce que c'est ce que j'aimais et ce que je voulais. Donc voilà, franchement, lui, je note 8,5 sur 10. Et le collier, je ne vous ai pas dit. Le collier, là, je le note 10 parce qu'il est trop beau. Et en fait, ça fait trop beau. Par exemple, avec ça, je vois trop bien. Donc voilà, franchement, j'aime trop. Du coup, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi en commentaire quel a été votre article préféré. Moi, je pense honnêtement que c'est le lot des débardeurs et le collier, puisque c'est ce que j'ai le mieux noté et ce que j'ai préféré, tout simplement. Je vous montrerai des tenues aussi. À mon avis, je sortirai un lookbook pour la rentrée. Mais il faut juste que je trouve un endroit pour le tourner ou quoi. Enfin, peut-être en plein air dans le parc en bâtiment ou quoi. En tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et surtout à vous abonner. On se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo.